mon indienne point. Où les gens, René? Jean René? Oui, nous l'appelons tous hier. Les méchants comme la gare. Le coup après toutes les bonnes femmes. Mais par contre, un frère, mesdames, d'abondance. Fidèle. Oh la Hélène, la bourgeoise à Jean René. Le disons tous qu'a su. Avouez autant de ton Gustave, dame sur les pentes. Mais là, vous n'avez pas tout. Pendant que je vous pète après Jean René, ben c'est que mon Jules est dans le coin, parce que vous l'autre, c'est le point. L'autre jour, n'avant pas passé une émission au soir, il est regardé. Penses-tu, ils ont oublié de préparer leur pain. T'aurais vu mon Jules, mais t'as d'une colère. Mais d'une colère, jamais vu de même. Il est beau y expliquer que t'es de la faute à Jean René. Mais tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit peut-être que t'as rangé avec. Mais il était en grand colère, le Jules. Ah, mais comme ça, oui. Mais les points du temps en colère. Tu au sujet, il faut qu'il te demande quelque chose. On me gêne un peu, mais enfin bon, faut qu'il te demande quand même. T'inquiète pas, les sauts comme un pot. Ah, Pépé, vous êtes sourd comme un pot. Hein? Je dis que vous êtes sourd comme un pot. Que j'avoue un peu trop. Je t'ai jamais vu fumer, de toute façon. Comment que tu peux savoir? Pourquoi? Alors, je voulais te demander. Ton Gustave, comment qu'il est avec toi? Tu veux dire? Oh ben, Gustave le se couche, puis deux minutes après le dort. Surtout depuis que le bois pue. Le bois pue? Ah ben, il est descendu à 2 litres par jour. Ah! Alors, il voulait te dire, mon jus à moi, allez. Oh! Mais c'est pas normal! De quoi? Ben, là, écoute. Mais comme il te dit, on le prend. En plein milieu de la Ressier, la rive d'Auchan, le messe n'a pas tant d'enlever mon tablier. Ça, c'est même tout le portrait de son père, fiancé.